d'acclamation à Jésus. Avec des cris de joie et des cris de victoire. Jésus. Jésus. Avec des acclamations. Jésus-Christ. Si tu es venu pour donner ta vie à Jésus, lève la main. If you have come to give your life to Jesus, put up your hand. Viens. Come. Venez, venez. Come, please. Quand tu partais de chez toi, when you were leaving your house, tu te disais, you told yourself, je suis fatigué. I'm tired. Je veux donner ma vie à Jésus. I'm going to give my life to Jesus. Viens. Come. Qui? Où? Si tu dois venir, viens vite, s'il te plaît. If you must come, please come quickly. Please. Lève-toi et viens. Stand up and come. N'aie pas peur. Do not be afraid. C'est la maison de Dieu. It's the house of God. Lève-toi et viens. Stand up and come. Parmi vous, in your midst, qui veut nous dire ce que signifie donner la vie à Jésus? Who can tell us n'ayez pas what peur. Giving your life to Jesus means? Qui est courageux? Who is courageous? Viens. Micro. Je me présente Kwaku Akisi Regina. Je m'en vais dans plusieurs églises. Un jour, mon frère, je ne le connaissais pas. Je vends ici au quartier Yopougon, Mikao. Là-bas, je me débrouille en venant de la loco. Maintenant, j'ai croisé un jeune. Chaque jour, lui vient manger mon aloco. Qui vient manger, me prêche l'évangile. Il dit, ah, moi, je vais déjà à l'église. Il dit, quand tu vas à l'église, est-ce que tu as déjà vu ce qu'on appelle partir à l'église? Il y a partir à l'église et puis être à l'église, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, il dit, quand tu es à l'église, il y a ceux qui sont à l'église et il y a ceux qui vont à l'église. Mais moi, il y a longtemps cherché Jésus. Je veux le voir et je veux voir de mes propres yeux qui il est, comment il est. Il est où ça? C'est lui le Dieu, c'est lui le chef. Je suis fatiguée. C'est pour cela qu'il m'a parlé de lui. Je dis vraiment, tu le connais. En comment? Moi, je le cherche, je le prie, ça ne va pas. Je cours ici, j'ai personne. Mais toi, tu me dis, toi, tu as la solution de Jésus. Ton Jésus, là, il est où? Pour toi, là, il est où? Montre-le-moi. Moi, je veux le voir de mes propres yeux. Donc, que toi, tu dis, tu l'as vu, tu l'as touché. Moi-même, je veux le toucher, je veux le voir aussi. Je veux le sentir, je veux voir sa présence. Il dit, tu veux vraiment le voir? Je dis, oui. Il dit, tu vas dans quelle église? Il dit, Assemblée de Dieu. Il dit, tu es sûr que tu vas à l'Assemblée de Dieu? Il dit, oui. Il dit, moi, mon église, et là, le nom de l'église, j'ai oublié. Mais il dit, aujourd'hui, je vais t'inviter. Il dit, tu es sûr que tu vas venir? Il dit, oui.
Il y a ton chercher Jésus. Je veux le voir de mes propres yeux. Jésus-Christ. Offrons l'acclamation à Jésus de Nazareth. Mort à la croix du calvaire à Golgotha. Enseveli. Ressuscité des morts le troisième jour. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ. Tomorrow, today and forever. Et c'est pour cela que je suis là. Merci. Thank you. Okay. Oui. Yes. Tu as ce qu'il faut pour voir Jésus. Well, yeah, what is needed to tell the gospel? Dis amen. Vous êtes bénis. You are blessed. Levez vos mains comme ça. Put up your hands. Dis Seigneur Jésus. C'est Lord Jesus. Je ne suis pas ici par hasard. I am not here at random. Répétez après moi. Vous dites ce que je dis. Repeat after me, please. Seigneur Jésus. C'est Lord Jesus. C'est toi qui m'as amené ici. You are the one who sent me here. J'ai répondu à ton invitation. Have replied to your call. Enseigne-moi. Teach me. Comment te donner ma vie. How to give you my life. Enseigne-moi. Teach me. Comment faire. How to do. Pour te donner ma vie. To give you my life. Je veux que ma vie t'appartienne. I want my life to belong to you. Je veux que tu sois gardien de ma vie. I want you to be the guard of my life. Je veux ton salut. I want your salvation. Je sais. I know. Que tu es le sauveur de l'humanité. That you are the savior of humankind. Ce soir. Tonight. Je t'appelle en moi. I am calling you to me. Pour que tu sois mon sauveur. So that you become my savior. Personnel. My personal savior. Je prie que tu me pardonnes tous mes péchés. I pray that you forgive me all my sins. Je sais que toi tu as vécu sans péché. I know you lived without any sin. J'accepte de te donner ma vie. I accept to give you my life. Selon tes conditions. According to your requirements. J'ai voulu te servir selon mes convictions. I wanted to serve you according to my own conditions. Ça n'a pas marché. It did not work. Ce soir, tonight, je t'accepte. I accept you selon tes conditions. According to your requirements. J'accepte. I accept qu'on me sépare de la malédiction. To be separated from curse. Qui règne dans ma famille. Which is in my family. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare de la sorcellerie. To be separated from witchcraft. Qui règne dans ma famille. Which is in my family. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare de l'idolâtrie. To be separated from idolatry. Qui règne dans la famille de mon père, la famille de ma mère. Which is in the family of my mother and my father. Dans ma belle famille. And in my family-in-law. Je veux te servir. I want to serve you. Tous les jours de ma vie. Every day of my life. Amen. Amen. Nous vous libérons de toute emprise. We release you from any rule. Et nous vous bénissons en Jésus-Christ. And we bless you in Jesus Christ. Nous vous libérons et nous vous bénissons. We set you free and we bless you. Afin que vous apparteniez à Jésus. So that you belong to Jesus. Vous appartenez à Jésus. You belong to Jesus. Vous ne serez plus jamais les mêmes. You will never be the same. Vous ne serez plus jamais les mêmes. You never be the same. Que les chaînes soient brisées. Break the chains. Que vos vies appartiennent à Jésus. Your lives belong to Jesus. Que la sorcellerie se retire de vos vies. We cast out witchcraft. Que la malédiction s'éloigne de vous. We remove, we take curse far. Que votre cœur s'attache à Christ. And your heart be attached to Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Dis Seigneur. Say Lord. Tu m'as accordé la grâce. You gave me the grace. De voir des âmes qui viennent étant préparées.
to see people coming being prepared. Des âmes qui n'ont pas besoin de prédication pour donner leur vie à Jésus. People who don't need preaching to give their life to Jesus. Dis-lui merci. Tell him thank you. Prions ensemble. Let's pray together. Bien-aimé, le Seigneur cherche les bons bergers. Beloved brother, the Lord is looking for good shepherd. Pourquoi Dieu donne-t-il le don de délivrance? Why does God give a gift for deliverance? Pourquoi Dieu donne-t-il le don de guérison? Why does God give a gift for healing? Dieu connaît les problèmes des hommes. God knows the problems of his people. C'est Dieu qui donne au berger le don de guérison. It's God who gives to the shepherd the gift for healing. C'est Dieu qui donne le don de délivrance. It's God who gives the gift for healing. Pourquoi? Why? Parce qu'il aime les brebis. Because he loves. Dieu aime the flock. He loves the sheep. Les disciples, les frères. The disciples, the brothers. Dieu aime ceux qui le craignent. God loves people who fear him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Pourquoi Dieu donne-t-il le don d'enseigner? Why does God give a gift for teaching? C'est parce qu'il aime les brebis. It's because he loves the sheep. Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans l'ignorance. God doesn't want his children to be in ignorance. Pourquoi Dieu demande-t-il que tu aimes ton frère? Why does God ask you to love your brother? Parce que lui-même aime ton frère. Because he himself loves your brother. Il veut que tu fasses comme lui. He wants you to do like him. Il aime ton frère. He loves your brother. Tu dois aimer ton frère. You must love your brother. Donc, toute l'œuvre de Dieu, c'est l'amour, 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 l'amour. So every work of God is love, love and love. Pour être un bon berger. To be a good shepherd. Parce que c'est ce que nous voulons être. Because this is what we want to do. Il nous a déjà accordé la grâce. He already gave us the grace. En nous établissant berger. By setting us shepherds. Ce que Dieu fait gratuitement. What God does for free, c'est ça qu'on appelle la grâce. Is what is called grace. Pas les mauvaises grâces que les gens enseignent dehors. We are not about the evil grace that people teach outside. La vraie grâce de Dieu. The true grace of God. C'est la faveur extrême sans payer. Is the extreme favor of God without paying. La grâce de Dieu ne veut pas dire que tu dois aller pécher. The grace of God does not mean that you can go and sin. En vivant dans le désordre. You can live in disorder. Et en disant que Dieu aura pitié de moi. And saying that God will pity me, have mercy on me. Mais Dieu t'aime. But God loves you. Comme il aime ton frère. As he loves your brother. Tu dois aimer ton frère. You must love your brother. Un berger. A shepherd. Qui n'a pas d'amour. Who has no love. Ne doit pas se tromper. Must not deceive himself. Il n'a jamais cru. He never believed. Il n'est pas berger. He is not a shepherd. Il est mauvais. He is bad. Un pasteur qui couche avec une petite fille qui cherche la délivrance. A pastor who sleeps with a small girl who is looking for deliverance. N'est pas berger, c'est un criminel. He's not a shepherd, he's a criminal. Ce n'est même pas qu'il a retrogradé, c'est qu'il n'a jamais été berger. It's just that he has never been a shepherd. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a des brebis qui cherchent comment faire pour rencontrer Jésus. There are sheep, there are flock who are looking for how to manage to meet Jesus.
Le Seigneur veut que tu sois du nombre de ceux qui peuvent conduire les hommes ou les femmes à Christ. The Lord wants you to be among people who can lead people to Christ. Le Seigneur veut que si tu diriges même une seule personne. The Lord wants that if you are leading even one person, only one person. Que tu sois très sérieux. That you should be very serious. Quelqu'un lise pour nous 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. First Corinthians, please. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. 1 Corinthians 4 verse 2. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Amen. Amen. Ce qu'on demande des dispensateurs. What is required from those who have been entrusted? C'est que chacun soit trouvé fidèle. Is that everyone should be found faithful? Les outils de travail. The tools for work. C'est Dieu qui les donne. Is God who gives them to you to la capacité. The ability. C'est Dieu qui la donne. Is God who gives mais la fidélité. Faithfulness. Et ta contribution. Is your contribution. C'est ta valeur intrinsèque. C'est ce que tu vaux. It is your inner value. It's what you are worth. Personne ne peut te voler ta valeur intrinsèque. No one can steal your inner value. Quand tu es bon, tu es bon. When you are good, you are good. Un homme patient est un homme patient. A patient man is a patient man. Un homme vertueux, courageux est un homme courageux. A courageous, a virtuous man is a virtuous man. On peut t'insulter, on ne peut jamais te voler ce que tu as dans ton âme, dans you can ton be être, insulted, dans but ton être. They can never steal from you what you have in your inner being. La fidélité est la principale vertu qu'on doit trouver dans chaque berger. Faithfulness is the principal virtue that we must find in each shepherd. Dieu rend capable, Dieu choisit, Dieu te prend à lui. God empower people. God choose people. God take you for him. Tu es élu. You are elected. Tu es nommé. You are appointed. Tu es élevé. You are raised up. Mais but ce qu'il attend de toi. What is awaiting for you? Que tu sois fidèle. Is for you to be faithful. Et la fidélité ici est mesurée par quoi? And faithfulness here is measured by what? Par la capacité de nourrir la brebis. By your ability to feed the flock. De sortir avec le troupeau. To go out with the flock. De le conduire dans les verts pâturages. To lead them in the green pasturage. De le protéger contre les dangers, contre les loups, les to lions. To protect them against the wolves, les the lions. The best, c'est en exposant ta vie pour servir de bouclier. It's exposing your life to serve as a weapon that. C'est dans ça. It is in that. Que Dieu demande ta fidélité. That God required your faithfulness. Quand on n'est pas fidèle. When you are not faithful. On ne s'établit jamais dans le bien. You never set yourself in good. On fait un jour. You do it one day. Et on abandonne. And you abandon. Un jour, one day, on est découragé. And you are discouraged. Tu dois résister à tous les phénomènes. You must resist all the phenomena. Tous les propos. All the tous les propos, tout ce que les gens peuvent dire. All everything that people can tell pour t'insulter ou pour te décourager. To insult you or to disappoint you. Ou pour manifester leur mépris. Or to show the despise. Tu dois, toi-même, tu dois mépriser le mépris des hommes méchants. Yourself must despise the despising of wicked people. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si Satan te félicite, ça va te donner quoi? If Satan congratulates you, what will you gain? Donc ne cherche pas les éloges des méchants. So don't look for the praises of a wicked one. Mais si un saint, but if it's a holy one, béni, blesses you, organise une fête, organize a feast, car un juste t'a béni, because a righteous man has blessed you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quelqu'un qui insulte Jésus et qui t'insulte, someone who insults Jesus and insults you, ça ne doit pas te faire mal. It must not hurt you. Ça doit te donner la joie. It must give you joy. De souffrir avec Jésus. To suffer with Jesus. De porter la même couronne que lui. To bear or to
Sorry to bear the same crown as him. Il faut résister à tout ce qui peut te rendre infidèle. Resist everything that can make you unfaithful. Il faut résister à toute chose qui peut te faire quitter ton poste. Renounce and resist everything that can make you leave your position. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. What is requested from a trusted people is to find him faithful. Fidèle à tes engagements. Faithful to your commitment. Vis-à-vis de la brebis. Toward the flock, the sheep. Ici, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Here, because it's what we are about. Fidèle aux brebis. You must be faithful. Fidèle to à ton poste. Fidèle à ton poste. Faithful to your position. Luc. Luc. Chapitre 16, verset 10. Chapter 4, verse 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Amen. Luke 16, verse 10. He who is faithful in what is least is also faithful in much, and he who is unjust in what is least is unjust also in much. Amen. Amen. Si Dieu t'a donné une brebis, if God has entrusted you one sheep, et qu'il donne 1000 à un autre, and he gives 1000 to another one, que ton cœur ne se trouble point. Let your heart not be troubled. Tout ce qu'il te demande, and all that is asking you, pour recevoir ta couronne, to receive your crown, c'est que tu sois fidèle à cette brebis là, fidèle à cette seule brebis. Is that you must become faithful to this only one sheep. Et lui, and he, il ajoutera la deuxième, he will add the second, la troisième, the third, la quatrième, the fourth, jusqu'à ce que tu deviennes le berger d'un grand troupeau. Until you become the shepherd of a big flock. C'est-à-dire tu as multiplié le talent. It means you multiplied the talent. Si tu dis mais les autres ont 1000, moi j'ai une brebis. If you say why others have 1000 and me I have only one. Et tu l'attaches, tu l'abandonnes à la cour. And you abandon him. Et tu vas te balader. And you go and wander. Quand tu reviens, when you come back, elle est volée ou bien elle est morte. She is stolen or she died. Maintenant tu n'as rien. And now you have nothing left. Et le maître and the master will judge you. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Matthieu 25, verset 24 à 25. Matthieu 25, verset 24 to 25. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Amen. Matthew 25, verse 24 and 25. Then he who had received the one talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. And I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. Amen. Amen. Donc les mauvais ouvriers, so the bad workers, méprisent un talent. Despise one talent. Le mauvais berger, the bad shepherd, méprise une brebis qu'on lui a donnée. Despise one sheep he is given. Quand tu es fidèle, when you are faithful, avec une brebis,
with one sheep. Tu seras fidèle avec 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, etc. With 1000, 2000. C'est une loi spirituelle. And so on. It's a spiritual law. Donc quand Dieu paye les salaires. So when God is paying the salaries. Il sait que celui qui est fidèle avec une brebis est fidèle envers des milliers. He knows that the one who is faithful with one sheep is faithful with thousands. Il te donne le salaire du berger des milliers. He gives you the salary of a shepherd of thousands. Si, de telle sorte que quand les gens regardent. So that when people look. Ce que Dieu t'a donné. What God has given you. Parce que tu t'es occupé d'une seule brebis. Because you took care of only one sheep. Ils deviennent jaloux. They become jealous. Ils peuvent même blasphémer que Dieu fait les combines, que Dieu fait le favoritisme. They can even say that God is cheating and that He is giving favor to some people. Tous ceux qui ont joué avec le peu que Dieu leur a donné ont commis une grande erreur. People who joke with the little that God gave them committed a big sin, a big mistake. Nous avons été testés un jour. One day we have been tested. Pendant le test, je ne savais pas que nous étions testés. C'est après que Dieu m'a expliqué. During the test, I did not know that we are being tested. It's later that God explained it to me. Nous étions, je pense, parmi les cinq premiers qui avaient été envoyés. We were among the first five people who were sent. À l'époque, l'œuvre au Congo était vraiment très épanouie. At that period, the work in Congo was very, very good. Il y avait des grands dans l'église. They have great men in the church. Des dignités. Des dignités. Dignities. Et comme le ministre des Finances était disciple du pasteur. The minister of Finance was a disciple of a pastor. Quand il y a l'assemblée, il envoie un chauffeur le chercher pour assister. When there is the church. Au rencontre de l'assemblée. When there is the office, he sent a driver to come and to go and fetch him and bring him to the assembly. Le missionnaire disait qu'un jour il était négligemment habillé. The missionary said that one day he was randomly clothed. Il voit une voiture qui vient, le ministre dit de venir te chercher. He saw a car coming and said, the minister said, I should come and take you. Il n'a pas eu la présence d'esprit de se mettre bien. He did not get his mind to well dressed. Il arrive, il y a les drapeaux, il y a les garde-vous, tout ça. Il se regarde et dit, hey. When he arrives, he saw flags and things. Il a dit qu'il ne s'habillera plus jamais négligemment. He said that he will never anymore neglect his clothes. Donc nous sommes venus dans ce contexte-là. So we came in this context. Au Gabon, c'était les directeurs de vraiment. In Gabon, we had CEO, directors. Vous savez, le frère rencontre facilement, il vous met au point. Brother Zach used to tell things easily. Quand nous sommes arrivés, when we arrived, il y avait un frère. There were a brother. Lui, il évangélisait seulement les handicapés. He just evangelized handicaps. Les handicapés physiques. Physical handicap. Et à partir d'un verset qu'il avait mal compris. And from a verse that he understood the wrong way. Le verset qui dit que les conviés ayant refusé, on a envoyé les gens appeler les sourds, les infirmes, tout. Donc. The verse who said that people were the guests hadn't refused the invitation, they sent people to look for everybody. Et il ne prêchait pas la repentance à ces gens-là. And he did not preach repentance to those people. Je l'ai su comment? How did I know that? J'évangélisais dans un infirme. I was telling the gospel non, to non, someone. Il était aveugle. He was blind. Je lui parlais de la masturbation, le péché, Dieu juge tout ça. Il me dit, est-ce que Dieu va les juger aussi? J'ai dit oui. Il jugeait les sourds, les aveugles. J'ai dit oui. Comment? He c'est là où mon me. Esprit s'est ouvert que et les infirmes étaient toujours dans son bureau. Les sourds, les aveugles, blind, les infirmes. Blind, deaf people were always in his office. Et
Dès qu'il gagne une âme, il envoie chez nous. Nous sommes les pasteurs. He wins a soul, we send it to our house. La salive, c'est-à-dire quelqu'un la salive. People pour... with saliva. Gracelle était petite, elle regarde. Elle regarde quelqu'un qui a la salive mouille toute sa poitrine. Il regarde la salive coule jusqu'à ce que toute la poitrine. Gracelle was a small girl and she was just watching the person with the saliva coming out. Après, c'est là où je parlais de test. This is why I was about test. Je me suis dit, hey, Seigneur. I said, les autres, oh, ils ont les ministres, les directeurs. Ça, c'est quoi? People ça, c'est, have ministers. De quelle affaire ça? Directors, what is this? Et on les accueillait sans problème. We used to welcome them without on problem. Sert et mange. We give them food and c'est they eat. C'est après que le Seigneur m'a ouvert les yeux que si on avait raté. It's later on that the Lord opened my eyes to see that if we failed, ça allait nous disqualifier. That would disqualify us. Ils sont partis parce que j'ai prêché la repentance. They left because I preached repentance. Sans les rejeter. I did not reject them. Après, quand je vais au bureau du frère, je l'ai toujours dit, mais vous faites quoi ici? And later on, when I go to the office ils m'ont fui, ils sont partis chez lui. Of a brother, I said to them, what are you doing here? They just fly away. Si Dieu te donne même un pauvre, if God gives you only a poor man, prends soin de lui. Take care of him. Prends soin de lui. Take care of him. C'est Dieu que nous servons. It's God we are serving. C'est Dieu qui t'envoie le pauvre. It's God sending you to poor. Sois seulement fidèle. Just be faithful. Ne dis même pas que je veux commencer avec le pauvre, comme ça Dieu me donnera les riches. Non, oublie les autres. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné. Don't even say that it's God sending me the poor. I will take care of the poor and later God will give me the rich man. No. Remain concentrated on the poor ones. Mes yeux s'étaient ouverts plus tard. My eyes opened later. Que si vous avez chassé ces gens-là, if you had casting those people out of your house, c'était la disqualification définitive. You would have been disqualified forever. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, the one who is faithful in little, l'est aussi dans les grandes, will become faithful in big ones. On te donne une assemblée à derrière rail. You are given an assembly à derrière rail. At derrière rail. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu es dirigeant d'une assemblée derrière rail. You are the leader of a house church at derrière rail. Réjouis-toi et prends soin Rejoice de cette assemblée. And take care of this assembly. Tu es berger. You are a shepherd. D'une petite assemblée. Of a small house church. La sœur Valérie a été bénie par une assemblée de 10 membres. Sister Valérie has been blessed by an assembly of 10 people. Il y a des assemblées de 100 personnes qui n'édifient personne. There are assemblies of hundreds of people who don't edify people. Frère, nous sommes à une époque où Dieu cherche les bergers fidèles. Brother, il va les utiliser au-delà de leur entendement. Brother, we have reached a period where God is looking for faithful shepherds. He will bless them beyond what they are awaiting. Comment une jeune fille cherche Jésus? Have you seen how this young girl was looking for Jesus? Où est-elle? Qu'elle lève la main. Where is she? Considère à partir d'aujourd'hui que tu as déjà rencontré Jésus. Consider from today on that you have already met Jesus. Tu as compris? Tiens-toi debout. Stand up. Fais ta main comme ça. Dis Seigneur Jésus. C'est Lord Jesus. Je crois que tu existes. I believe that you exist. Et je crois que tu habites en moi. And I believe you dwell in me. Tu vas le sentir toi-même. Même en rentrant, tu vas sentir la joie du Seigneur en toi. You will feel the joy of the Lord in you. Et on ne le voit pas comme je salue ma sœur là. They don't see him as I am greeting my sister. Il a dit qu'on va le voir par la foi. He said that we will see him by faith. Si tu as la foi, if you have faith, tu l'as déjà vu. You have already seen him.
Donc, tout ce que tu disais ici là, so everything you were telling here, c'est monté en même temps là-bas. Goes up in et the same ton nom way. Est déjà écrit là-bas. And your name is already written over there. Et il a dit à ses disciples, and he told his disciples, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Because your names are written in the book of life. Si tu étais devant ici, tiens-toi debout. If you were here, please stand up. Tenez-vous debout. Please stand up. À partir de maintenant, from now on, si vous êtes tenté, if you are tempted, ne péchez plus. Do not commit sin. Vous n'êtes plus les enfants de ce monde. You are no more children of this world. Et quand vous serez tenté, and when you will be tempted, si vous dites non, if you say no, Jésus vous bénit. Jesus blesses you. C'est ça qu'on appelle aimer Jésus. This is what is called loving Jesus. Si s'il y a parmi vous quelqu'un qui fumait la cigarette, ou bien in your midst someone who used to smoke cigarettes, ou qui se droguait, or take drugs, si tes amis t'appellent, if your brother, your friends call you, tu dis, je suis un enfant de Dieu. You say, I am a child of God. Je ne fume plus. I don't smoke. Je ne bois plus. I don't drink anymore. Si tu dis ça, if you say that, et tu crois, and you believe, la main de Dieu sera sur toi partout où tu vas. The hand of pendant the que Lord tu bouges, il te protège. Will be on you every day that you go. While you are moving, he protects you. Partout, même dans ton sommeil. Everywhere, even when you are sleeping. S'il y a des gens parmi vous qui rêvent que les marées de nuit les troublent, vous allez voir. If there are people among you who used to dream that spiritual husband troubles them, ils vont s'enfuir. You will see that they will go. Vous ne les verrez plus jamais. You won't see them anymore. Vous allez commencer à récolter les bénédictions qui s'attachent à Christ. You will start harvesting non, the blessings. Non, qui s'attachent à l'appel de Christ. Which are attached to the call of Christ. Chaque jour. Every day. Vous allez faire comme ce frère a fait à la jeune sœur. You will do as this brother did to the young sister. Vous-même, vous aurez une puissance pour expliquer les choses de Dieu aux gens. You will have a power to explain the things of God to people. Et il y aura des jours. And they will have days. Le Seigneur peut te prendre et te montre le paradis, tu reviens. The Lord can take you, show you paradise, and you come back. On appelle ça les visions, les visions. These are called visions. Il a dit, vous jeunes filles, vous jeunes gens auront des visions. Vous aurez he des said visions. That your young girl, your young people will have visions. You will have visions. Si les pasteurs vous donnent un conseil, écoutez le conseil. If the pastors give you an advice, please take it. La première chose. The first thing. Ils vont vous aider à vous repentir devant Dieu. They will help you to repent before God. Vous allez abandonner tous les péchés. You will forsake all your sins. Après, ils vont briser les mauvais liens. After that, they will break the evil ties. Là où vous êtes, il y a les liens de malédiction qui vous suivent. Where you have a cursing ties which are on you. Si ces liens ne sont pas brisés, if your ties are not broken, vous allez toujours lutter avec les mauvais esprits. You will be struggling always with evil spirits. Quand Lazare est sorti de la tombe, when Lazarus came out of the grave, quand Jésus l'avait ressuscité, when Jesus Christ resurrected il était déjà vivant, mais he was already il était alive, lié. Il ne pouvait pas bien se déplacer. But he could not move well. Donc, Jésus a dit à ses disciples, so this, Jesus taught his disciples, déliez-le, untie his ties, et laissez-le aller, and let him go. Tu as donné la vie à Jésus. You have given your life to Jesus. Tu es déjà vivant. You are already living. Mais on doit te délier. But you must be comme untied. Ça, ta marche sera rapide. So that your walk will be quick. Tu vas grandir vite. You will grow quickly. Et tu serviras le Seigneur de tout ton cœur. And you will serve the Lord Jesus with all your heart. Dites amen. Say amen. Donc, asseyez-vous. So sit down now. Donc, si le Seigneur te donne une brebis, if the Lord give you a sheep, ça c'est une réunion de dirigeants. Je veux dire que si tu es dirigeant, this is a meeting of leaders. I just want to say, if you are a leader, ça veut dire que tu es berger.
It means you are a shepherd. Si tu diriges même une seule personne. If you lead only one person. Tu es berger. You are a. Si tu viens d'arriver. A shepherd. If you have just come. Que tu es encore en train de préparer comment te convertir, comment te repentir. And you are still getting ready on how to be converted, how to repent. Tu es juste à l'école pour entrer à l'école. Tu te prépares pour entrer à l'école des bergers. You are just getting ready to enter to the school of shepherds. Si tu es dans cette salle. If you are in this hall. C'est déjà une prophétie. It's already a prophecy. Que tu seras grand berger. That will become a great shepherd. Dites amen. Say amen. Vous notez ceci. What is that? Le ministère dépendra toujours du type de ministre disponible pour Dieu. The ministry will always depend on the kind of minister available for God. Le ministère dépendra toujours du type de ministre disponible pour Dieu. The ministry will always depend on the minister available for God. Si le ministre est bon, if the minister is good, son ministère sera bon. His ministry will be good. Si le ministre travaille dur, if the minister works hard, s'il aime le Seigneur, if he loves the Lord, il n'y aura pas de blocage dans la vie des disciples. We will have no blockage in the lives of the disciples. Et le ministère va grandir. And the ministry will grow. Le ministère sera béni et prospère. The ministry will be blessed and prosper. Mais si le ministre est paresseux. But if the minister is lazy. S'il passe le temps à se plaindre. If he spend time. Non, s'il passe le temps à plaisanter. If he spend time joking. S'il aime le monde. He loves the world. S'il aime les choses du monde. He loves things of the world. S'il n'est pas délivré du péché. If he is not delivered from the sins. Il y aura beaucoup de blocages. There will have lot of blockages. Il y aura beaucoup de blocages dans l'œuvre. There will have lot of blockages in the work. Et une telle œuvre ne peut pas satisfaire le cœur du Seigneur. And such work cannot satisfy the heart of the Lord. Le ministère exige. The ministry requires. La séparation radicale d'avec le moi. The radical separation from the self. Si tu passes le temps à te protéger. If you spend time protecting yourself. En refusant la souffrance. By refusing suffering. Si tu es une personne contre qui on ne peut pas parler mal. If you are a person against whom they cannot say bad things. Si tu es une personne qu'on ne peut pas accuser. If you are a person they cannot accuse. Sans qu'ils se mettent à se défendre. Without defending yourself. Tu resteras un petit homme. You will remain a little man. Et ton ministère sera petit. And your ministry will be small. Car il est écrit. For it is written. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. If a mustard grain which falls in the on earth does not get rotten, it will remain alone. Un bon berger. A good shepherd. Laisse les gens l'insulter. Leave people insult him. Il ne se protège pas. He does not protect himself. Il ne se défend pas. He does not defend himself. J'ai eu une expérience quand je ne connaissais pas encore les Écritures. Mais I got an experience. Je venais de croire. When I did not master the scriptures. J'étais exigeant d'une façon malsaine. I have lot of requirements. J'étais facilement énervé par des attitudes qui ne sont pas cohérentes. I got easily upset by people who have behavior that I cannot understand. Si tu manges à côté de moi, si j'entends, aïe aïe aïe, a dit, je m'énerve. If you walk near me and I hear, sorry, I get upset.
J'ai mon grand frère quand il fait. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Quand, si tu manges la banane. If you are eating banana. Tu es assis à côté de moi. You are sitting near me. Quand tu croques là, ça reste lisse comme. Pour moi, on doit couper sans que les dents coupent la banane. Ça laisse une impression de quelque chose qui est glacé comme la morve. Donc j'étais comme ça. I was like this. Un jour. One day. On priait. We were praying. Écoutez ça très bien. Et on a disposé les bancs en cercle. And we put the chairs in a circle. Et on priait. And we were praying. C'était après une pluie. It was after a rain. Or, quand il pleut, après la pluie, les termites sortent. When it rains, after the rain, we have ants outside. Termites, sorry, thank you. Donc, en priant, j'entends clairement dans mon esprit. I was praying and I could hear clearly in my mind. Regarde ce que font les termites. Look at what the termites are doing. Je regardais. I watched. Je vois que quand un termite tombe. I could see that when a termite fall down. Sa première préoccupation c'est d'enlever les ailes. Its first concern is to remove her wings. Il tourne sur le sol et puis les ailes sortent. Dès que les ailes sortent, il reste tranquille. And the wings are removed and he's calm down. Après, je remarque que les termites qui avaient enlevé les ailes. I remarked that the termites who had removed their wings avaient une suite. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres termites qui viennent se coller juste. Had sur leur corps. A suite. It means another one come and stick on the bottom. Et j'avais remarqué que les termites qui ne s'étaient pas dépouillés de leurs ailes étaient seuls. And I remarked that the termite who did not remove her wings was alone. Parce que les ailes sont longues, le petit corps est loin, donc. Because ne peut pas, the wings are long. Ne peut pas toucher le corps. And the small body is far, so the other termite cannot touch. His body. Je comprenais ça avec une intelligence divine. I could get it with a divine intelligence. Et puis la voix qui m'avait dit regarde ce que font les termites m'a encore dit fais comme les termites. And the voice who told me look at what the termites are doing told me do like the termites. Elle m'a dit. And he told me. Tes exigences sont comme les ailes des termites. Your requirements are like the wings of the termites. Si tu ne te dépouilles pas. If you do not get rid of them, tu n'auras pas de suite. You will have no suite. Tu seras comme les ces termites qui n'ont pas enlevé leurs ailes. You will be like this termite who did not remove their wings. Je peux dire que c'est ma première leçon du ministère pastoral. I can say that it was my first lesson of a pastoral ministry. Je n'avais même pas encore lu la Bible entièrement. I had not read the Bible entirely. Donc Dieu a utilisé un autre moyen rapide pour m'envoyer dans le salut. So God used a quick way to send me into salvation. J'ai appelé certaines personnes, je leur ai demandé pardon. I called some people, I asked them to forgive me. C'était à Bertoua. It was in Bertoua. Dans les années 82. In the years 82. J'ai cru en 81. I believe in 81. Donc Dieu formait so God un was, caractère pastoral en moi. God was building a pastoral character in me. Et quand j'ai grandi dans le ministère pastoral, and when I grew in the pastoral ministry, j'ai pris la décision, I took the decision que si quelqu'un m'offense personnellement, that if someone offend me personally, je ne lui dirai rien, pas de réprimande. I will tell him nothing, no rebuke, nothing. Si c'est contre moi, if it is against me, je laisse. I leave it. C'était pour continuer à travailler sur cette tendance-là. It was for me to keep on working on this tendency. Si tu fais la même chose à quelqu'un d'autre, là je peux t'appeler.
If you do the same thing to someone else, then I can call you. Je peux te dire que tu aimes ça. Tu vois ce que tu as fait au frère là n'est pas bien. What you are doing to a brother is not good. Mais si c'est moi-même, it's myself. Ça me permet de rester sans ailes. It allows me to remain without wings. Quand je suis sorti de là un peu, when I got out of there a little while, je comprenais que je suis en train de perdre mon plus grand message. I could understand that I am losing my best message, my greatest message. Les brebis, c'est la richesse du berger. The sheep are the riches of the shepherd. Quel que soit le nombre, no matter the number, tu dois supporter tout. You must bear everything. Je vous dis, Dieu m'a dit, regarde ce que font les termites. C'est tout un livre. I can tell you that God told me, look at what the termites are doing. It's a book. Et si les termites ne s'accouplent pas, il n'y aura plus de termites. Ça va finir. And if the c'est termites, les deux qui font là, font huit termitières. Les deux qui partent là, de font huit termitières. If the termites don't join each other on one another, they will have no more termites. Because both make a termite house. Tu gardes tes exigences. Je n'aime pas ça. Je suis comme ça. Tu you keep your requirement. I don't like this. Patron. I am like that. Tu es tombé depuis. Tu n'existes you pas. You are down for dans long. Dans les annales de Dieu, ton nom n'est pas là-bas. In the journal of God, your name is not there. Jésus a dit. Jesus said. Je suis doux et humble de cœur. I am kind and humble. Venez à moi. Come to me. Chaque berger doit pouvoir dire, je suis bon. Every shepherd should, suivez-moi. Should be able to say, I am good, follow vous me. Vous savez, dans le ministère pastoral, you know, in the pastoral ministry, tu peux dire à quelqu'un, viens, je vais te faire du bien. You can tell someone, come, I will do good to you. Je vais te montrer les voies de Dieu. I will show you the ways of God. Tu vas devenir grand. Tu lui you will parles, become great. Tu ne séduis pas, tu lui fais des promesses sûres you are à not, ton niveau. You are not disappointed, despising the person. You are not, sorry, but you just give him things that is good. Quand nous sommes arrivés ici, when we arrive here, chaque âme qu'on rencontrait, everybody we met avait une religion. Had a religion. Et allait quelque part. They used to go somewhere. Et l'une des armes de vérité que j'utilisais, and one of the weapons of truth that I used to use, je leur disais, si tu me suis, I used to tell them, if you follow me, si après 6 mois, if after 6 months, rien ne change, nothing changed, il faut partir, you can go. Et je savais que je ne peux pas faire 6 mois avec quelqu'un sans qu'un miracle se produise. And I knew that I cannot spend 6 months with someone without a miracle. Le berger doit être vrai, il doit être passionné. The shepherd must be true. He must be passionate. Il doit arracher les âmes. He must grab souls. Que les menteurs ont trompé depuis des années. That the liars have been cheating for years. Il doit venir avec des promesses. Dieu vient à nous avec des promesses. God come to us with promises. Dieu vient avec fermeté. God came being strong. Il dit à Israël, je t'aime d'un amour éternel. He told Isaiah, I love you with an eternal love. Et Dieu n'économise pas ses émotions. God does not save his emotions. Il dit que il ne peut pas si nous abandonner, c'est comme deux montagnes qui se rencontrent. C'est comme les deux montagnes ne peuvent pas se rencontrer. It is like ne peut two pas nous mountains abandonner. Cannot meet. Ça veut dire que quoi? On appelle il jure par lui-même. He said that he swear by himself. Pour nous prouver qu'il est sérieux, il jure avec serment. To show us he is serious, he swear. Quand on est infidèle, on ne prend pas les risques. When you are unfaithful, you don't take risks. On ne fait pas de promesses sérieuses. You don't do serious promises. On est toujours sur le qui-vive, que si ça chauffe, on s'en va. You are always ready to run.
fidèle. Faithful. Avec une brebis comme avec with mille. One sheep as with a thousand. Perdre les brebis que Dieu te donne. To lose the sheep that God has given to you. C'est une grande misère. C'est comme un deuil. It's like mourning. It's a great misery. Comment quelqu'un peut-il perdre 10 brebis? How can someone lead 10 sheep? Tu dis bien qu'ils étaient 10, ils ont rétrogradé. Comment? How can someone lose 10 sheep? There were 10 and they all backslide. How? Tu dois lutter avec les bêtes féroces comme Paul a lutté. You must fight with beasts as Paul did. Donc tout dépend de la qualité du ministre. So everything depends on the quality of a minister. Séparation radicale avec le moi, séparation radicale avec le péché. Radical separation with the self, radical separation with sin. Si le ministre n'est pas délivré du péché, if a minister is not delivered from sins, son ministère ne verra pas la gloire de Dieu. His ministry will not see the glory of God. Il n'y aura personne dans le ministère qui peut rendre témoignage de la délivrance du péché. There will have no one in the ministry who can give a testimony of being delivered of sins. Parce que le ministère de ce ministre sera coordonné par la chair. The ministry of his minister will be ruled by the flesh. Parce qu'il n'a pas l'expérience de la délivrance du péché. Because he has not gone through the experience of the deliverance of sins. Que ce soit en parole, en pensée, en acte ou en motif. Being in his word, in his thought, or in his actions. J'ai dit aux frères, aux jeunes gens. I told young brothers. Quand je conseille les jeunes gens pour le mariage, j'ai des difficultés. Pourquoi? When I give advice to the young people for marriage, I have a lot of difficulties. Why? Parce que mon conseil n'est pas technique. Because my advice is not technical. Dieu m'a accordé la grâce. God gave me the grace. En me montrant mon épouse comme réponse à la prière. By showing me my spouse as a reply to my prayer. L'une des premières personnes qui voulait nous exhorter sur le mariage nous enseignait une méthode terre à terre. One of the people who wanted to teach us about marriage taught us a basic method. Je me souviens. I remember. Un homme mûr. A mature man. Il nous disait pour choisir ton épouse. He was telling us to choose your spouse. Prends une feuille. Take a paper. Et un stylo. A pen. Et la sœur Colette était dans la cuisine. And sister Colette was. Cher frère. In the kitchen, in a brother's house. Dis-tu écrit le premier nom, la sœur Colette. Elle dit, il parle fort. Tu écris le premier nom, la sœur Colette. You write puis the tu first écris le deuxième nom, là, sister il n'a pas Colette. Dit non. And you write the second name, he did not give a name. Il dit, après tu observes. And later on, you watch. Si une commune égave, tu barres le nom. Si une commune fait une mauvaise chose, tu enlèves son nom. If one has a bad behavior, you remove a name. Si je m'étais arrêté là, j'allais enseigner ça aux gens. If I stopped there, I would teach it to people. Mais quand je suis devenu mûr, when I got matured, j'ai connu des états où un jeune homme avec les frères, il joue à leurs frères, comment ça va, tu te maries, quand on cause là, on est des vaillants. I gone through a step where a brother can chat about marriage and remain mighty. Dans ce désordre-là, un frère est parti dans une localité demander la main
à une fille pour moi. Quand il est revenu, il me dit, j'ai déjà planté le planteur. In this disorder, a brother came somewhere and found already a fiancé for me. Mais quand je me suis, quand j'ai démissionné de la CRTV, que je veux le salut, je veux aller au ciel. When I resigned from my work, saying that I want salvation, I want to go to heaven. J'ai pris Dieu au sérieux. I took God seriously. Qu'est-ce que je constate? What did I remark? J'ai peur de me marier maintenant. Now I am scared of getting married. Je me disais, I told myself, si le mariage rate, if my marriage fails, ça c'est grave. It's very bad. J'ai même dit à Dieu, si je dois me marier mal, apprends-moi en même temps. I even told God, if I have c'était sérieux, hein, je dis, faut a me bad prendre. Marriage, take me. Plutôt que de faire un mauvais mariage. Plutôt que de faire instead un mauvais of doing mariage. A bad marriage. Vous voyez, deux personnes. You can see two si people. Je m'étais marié if I got married, à celle qu'on avait plantée là, to the one who was planted, j'allais avoir quel témoignage? Which testimony will I have? Comment chercher ton épouse? J'allais enseigner sur quoi? On how to look for a spouse? On what will I teach? Comme j'étais très sérieux, as I was very serious, Dieu a vu. God saw that. Je voulais prendre un jeûne de 7 jours complets pour régler le problème. I wanted to take a 7 complete day of fasting to sort out the problem. Et Dieu m'a donné une vision. And God gave me a vision. J'ai vu une jeune sœur. I saw a young sister. Qui partait, qui avait tourné le dos, qui partait en toute vitesse. Who was going fastly. She gave j'ai her back to une me. Une autre jeune sœur. I saw another young sister. Qui avait croisé les bras comme aux Jeux olympiques. Who bent her hands. Paisible. Peaceful. J'ai vu deux sœurs. I saw two sisters. Qui se sont approchées de moi rapidement. Who got close to me quickly. Et une a poussé l'autre. And the other one pulled the other one. Et m'a fait une bise. And she gave me a kiss. L'autre a dit, tu vois ce qu'elle fait. And the other one said, do you see what she's doing? Il a dit, tu faut laisser. I asked him, leave it like that. Et Dieu m'a dit. And God told me. Elles étaient quatre. There were four. Une a démissionné. The other one resigned. Ta vraie femme. Your true wife. C'est celle qui attend paisiblement là. Is the one waiting peacefully. Les deux autres. The two others. Les deux autres sont éprises de convoitise. The two others are just envying you. Claire, je connais leur nom. Clearly, I know the names, everything. Donc, quand je dis à un jeune homme, va prier Dieu, Dieu mort, et ils s'en vont se débrouiller en testant, en jetant au sort, en tirant au sort. Non, Dieu est vivant. When I ask young boys to go and pray, they are just joking. No, God is living. Le Dieu qui a donné maman colère là est toujours vivant. The Lord who gave mommy colère is still alive. Et la mission. And the mission. Sans maman colère. Without mommy colère. Ça n'allait pas donner ce qu'il y a aujourd'hui. Would not give what is on today. Je ne discute pas. Nous ne discutons même pas. We are not arguing. Si tu assistes à nos petites querelles, tu seras édifié même. If you see our small argument, you will be edified. Parfois, c'est sur les brebis. Sometimes it's on the sheep. Je peux dire, donnons-lui, laissons un peu. Je peux dire quoi? Les gens s'amusent comme ça là. Je dis non, c'est bon. Vous voyez? Toi-même tu es édifié. And by the end, you are yourself edified. Mais ça c'est le désordre, je dis pardon. This is disorder. This is sin. Oui. Attendons un peu. Please let wait a while. C'est édifiant, n'est-ce pas? Is that not edifying? Mais l'argent, la nourriture, tout but ça money, là, food. Zéro. No.
Merci. Une vision authentique. A genuine vision. Donc, et toi tu es là, tu vois une sœur passer, tu regardes, l'autre passe, tu you regardes. You are there, you see, a sister passing, you et watch. Les, et les années ne font que passer. Les semaines viennent. D'autant de regarder tous les semaines. So, so même, tu as les vertiges. And you are dizzy. Dieu parle, frère. God speaks, brother. Clairement. Clearly. Et la paix m'a rempli. And peace filled me. Je suis allé déposer maintenant le dossier chez mon faiseur de disciples. I went and dropped the file to my disciple maker. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. God is alive. Que quelques personnes lui disent merci. Let some people tell him thank you. Merci Seigneur de nous enseigner tes méthodes. Et c'est vrai. Nous proclamons et nous l'attestons que le Dieu qui a donné la sœur Colette Meunier est encore présent. Amen. Et nous disons Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu vrai. Tu existes, tu parles. Tu as des oreilles, tu entends. Tu as des yeux, tu vois et tu es avec nous. Toi qui as donné maman Colette au pasteur Meunier Boniface, tu es réel et tu es encore là avec nous. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut ajouter que tu peux aider les jeunes gens qui tergiversent éternellement pour que la prière soit complète. Et tu peux aider ces jeunes gens qui sont là. Seigneur, nous confessons et nous attestons que tu peux aussi aider tous ces jeunes gens qui tergiversent, qui regardent les semeurs avant de finir dans le vertige. Tu peux les aider comme tu as aidé le pasteur Meunier Boniface. Amen. Amen. Seigneur, te rendons grâce. Seigneur, te bénissons parce que tu parles clairement. Merci infiniment parce que tu es réel. Tu montres effectivement, Seigneur, le choix qu'il faut. Béni sois-tu, toi qui donnes l'aide convenable, de manière claire, et qui donnes la paix dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Père éternel, oui, tu es vrai, tu es réel. Tu parles sans confusion. Merci, Seigneur, pour ce témoignage vivant. Et nous croyons que tu es avec nous. Et tu vas aider chaque frère qui va discerner de manière claire ta volonté, sans confusion en ce qui concerne le choix de la conjointe. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci parce que tu es un Dieu qui est vivant, qui est réel. Le même Dieu qui avait parlé à notre pasteur en ce qui concerne le choix de son épouse. Le même Dieu est vivant et il est au milieu de nous. Merci infiniment, notre Dieu, parce que tu es également le Dieu des plus jeunes qui ont des projets de mariage. Merci parce qu'ils peuvent se tourner vers toi et recevoir les réponses qui viennent du trône. À toi la gloire parce que tu n'es pas un Dieu qui est sourd. Tu es un Dieu qui entend les prières et qui répond. Béni sois-tu, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, je bénis ton Saint-Nom ce soir, Seigneur. Toi qui as permis que je sois là, oh Dieu. Seigneur, tu corriges mes méthodes du choix du mariage, Seigneur. Oh Père, je bénis ton Seigneur, Seigneur, parce que tu viens de me corriger par ce témoignage. Oh Seigneur, tu viens de corriger certaines personnes, Seigneur, comme moi. Je bénis ton Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous notez 4. Le ministère The ministry. Exige une consécration et un abandon total. Required a consecration and a total abandon. Une consécration et un abandon total au Seigneur. A consecration and a total surrendering to the Lord. Ceci veut dire que avant qu'une personne commence à servir Dieu,
It means that before someone to start serving God, elle doit d'abord se consacrer. He must first consecrate himself. C'est-à-dire la consécration précède le service. It means that consecration comes before the service. Et en rapport avec ce qu'on vient de dire sur le mariage, and si le mariage est mauvais, le ministère est déjà mort. And regarding the marriage, if the marriage is bad, the ministry is already dead. Si tu es un berger, if you are a shepherd, que tu n'es pas encore marié, and you are not yet married, paye le prix pour que Dieu te donne une femme, so that God give you a wife, qui te parle. Let him talk to you. Ne fais pas le tirage au sort. Don't do. Et si tu es déjà marié, and if you are already married, paye le prix pour que un miracle se produise. Pay the price so that a miracle happens. En Christ, in Christ, il n'y a pas de fatalité. There is no fatality. Ne dis pas j'ai épousé une mauvaise femme, je veux divorcer. Don't say I have married a bad wife, I want to divorce. Crois au miracle. Believe into the miracle. Et Dieu va agir. And God will work. Dieu va agir. God will work. Mais couple pastoral malade, c'est une tragédie. A sick couple, a sick shepherd couple, is a tragedy. Je suis allé quelque part. I went somewhere. J'ai exhorté. I exhorted people. Et je voulais me lever pour partir. And I wanted to leave. Le mari m'a retenu. The husband stopped me. J'avais exhorté sur le passage qui dit que là où il y a un esprit de dispute, un zèle amer, il y a toutes sortes de mauvaises actions et du désordre. I exhorted saying that where there is a dispute spirit and a bitter zeal, there are any kind of disorders. Donc, je croyais que j'avais terminé. For me, I have finished. Je voulais partir. I wanted to leave. Le mari me dit, attends un peu. The husband told me, please wait. Ça ne va pas. It does not que work comme here. Le passage qu'on vient de lire là même. The passage we have just read. Il y a eu un scandale ici. There has been a scandal here. J'avais attaché une serviette. I had a towel. Et une dispute a commencé. And an argument started. Avec l'épouse. With my spouse. Devant les enfants, la serviette est tombée. Before the children, the towel. Il n'y avait que la serviette, il n'y avait pas d'autre chose que si la serviette tombe. Only had the towel and nothing else. Vous voyez? You see? Il y a des gens qui s'amusent, ils insultent sa femme. There are people va who va joke, chez toi. But he insult his wife, go to your house. Personnellement, même si j'étais païen, normally, even if I was a pagan, je n'allais jamais dire à une femme, sors de ma maison. I would never tell a wife, go out of my house. D'abord, si j'étais païen, j'allais avoir une association pour protéger les femmes. First, if I was a pagan, I would have an association to protect the woman. J'ai, comme nous sommes à l'académie, j'ai 5 sujets de prière. As we are in the academy, I have 5 topics of prayer. Que j'avais élevé au Seigneur dans les années 85. That I raised to the Lord in the years 85. Premier sujet. First. Oh Dieu. Oh God. Qu'il ne soit jamais dit de moi. Let no one ever say. Voilà l'homme qui aimait l'Éternel. This is the man who used to love the Lord. Là, c'est le premier sujet. This was my first topic. Qu'il ne soit jamais dit de moi, voilà l'homme qui aimait l'Éternel. C'est-à-dire rétrograde. Let them never say that this is a man who loved the Lord. Deux. Two. Seigneur. Lord. Fais de moi un homme tel que, voilà. Fais de moi un homme tel que. Make me a man like. Partout où je suis. So that where I am. Là, ton nom soit glorifié. Your name should be glorified. Trois.
5, 3. Vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé des femmes. Fais de moi un homme tel que si une jeune fille tombe dans mes mains, qu'elle oublie le monde. Make me a man so that if a young girl falls into my hand, she forget about the world. Après, j'ai dit, oh Dieu. And later I said, oh God. Fais de moi un homme sur le chemin duquel tu peux placer une nécessité. Make me a man on whom way you can put a needed person. Et dernier. And the last one. Fais de moi, c'est montre-moi ta gloire. God, show me your glory. Pas à la manière de Moïse. Not as the manner of Moses. Mais montre-moi des milliers de personnes à genoux pour t'adorer. But show me thousands of people kneel down to worship you. Le dernier sujet sur la gloire de Dieu s'est accompli à Yam Soko. The last subject on the glory of God came to life in Yam Soko. En fait, en demandant de voir des milliers de personnes, c'était une manière de dire je vais être missionnaire sans savoir. In fact, while asking to see thousands of people, it was a way for me to ask God to make me a missionary without understanding. Donc, à Yam Soukro en 2005, so in Yam Soukro in 2005, Frère Zach était en train de conclure la rencontre. Brother Zach was concluding the meeting. Il a dit aux gens, il a prié, a prophétisé. He prayed, and prophesied. Et il m'a donné le micro. Les gens avaient les mains sur la tête. And he gave me the microphone. People had their hands on their Boniface, heads. He said, Boniface, voilà l'armée. Va this is your army. Va à conquête. Go to the conquest. Quand j'ai pris le micro, when I took the microphone, Dieu me dit, voilà les milliers de personnes à genoux qui God told et il y avait me, plus de 2500 personnes dans la salle, sans compter ce qui était dehors. This is the thousands of people kneeling down. There were more than 2500 people without counting people outside. Le don de guérison et de délivrance répond à l'oursuivre qui dit, fais de mon homme sur le chemin duquel tu peux placer une nécessité. The gift of deliverance and healing reply to the topic of saying that put on my way needful people. Les jeunes filles que vous voyez, the young girls that you can c'est see, c'est la prière exaucée. It is the granted prayer. Qu'est-ce qui s'était passé? What's happened? J'étais au lycée. I was in school. Et je voulais vraiment aller à l'école. And I truly wants to go to school. Donc ma tête n'était pas trop dans le monde. So my head was not so much in the world. Je voulais réussir à l'école. I wanted to succeed in school. Malgré le retard que j'avais connu. Despite the delay that I had. Mais il y avait des jeunes gens qui se prostituaient. But there are young girls, young people who get on était dans la même maison. Themselves. Nous vivions dans la même maison. And we lived in the same house. Ceux qui étaient des aînés n'allaient même pas à l'école. Ils faisaient des petits jobs et l'argent qu'ils gagnaient, ils cherchaient les femmes et buvaient l'alcool. Those who were older, you didn't go to school. They have a small job and they look for girls. Un jour, one day, deux femmes se sont retrouvées pour un seul. Two girls met for a man. Il a choisi celle qui devait rester. He chose the one he wanted. Il m'a dit, s'il te plaît, accompagne l'autre là. And he asked me, please see this one off. Ma tête n'était même pas dans ces choses-là. Je croyais que j'étais en train d'accompagner une qui est déçue. I thought I was just thinking of another one who was despised. Arrivé quelque part, me dit, voilà ma maison là-bas. Je dis, ok, tu peux partir. Je ne savais pas qu'elle veut me dire qu'on peut continuer. Je n'ai même pas compris. If you want, you can come. I didn't je know that she wanted to tell me that we can go together. I even didn't have his ears. Donc quand je reviens, so when I came back, ce monsieur me demande, this man asked me, tu l'as laissé? You left her. Frère, ça m'a choqué. It shocked me. Pourquoi? C'était un gros why? Malade. C'est-à-dire un gros malade. Il appuyait comme ça pour nous montrer le pu. Il appuyait son sexe, il montre le pu. The man was very sick. Et il cherchait les femmes. And he had a disease on his sex. Chronique. A chronic sick. Je me suis dit, mec, celui-ci, qu'est-ce qu'il veut même? And que I asked je myself, tombe aussi malade. He wants me to fall sick as well. Et j'ai eu pitié des femmes. And I have compassion on girls.
C'est là où c'est ça né. Quand j'ai cru. When I believed. J'étais heureux. I was happy. Quand je vois une jeune fille, je me disais que j'ai déjà trouvé l'endroit où il faut aller cacher les jeunes filles contre ces maladies là. I told myself that I have found the place to go and hide these young girls against those diseases. Donc au lycée à 10h, je rends ministère pastoral pour garder les jeunes sœurs là dans Jésus-Christ. I minister to the young girl to keep them in Jesus Christ. Quand on n'est pas en Christ, c'est la misère dans le monde. When you are not in Christ, it's misery in the world. Inconscient, mauvais, faux. A sick man, an unconscious, a bad and false man. Il cherchait les femmes. He's looking for girls. Je sais que d'autres, il y a des femmes qui font la même chose. Donc ne me critiquez pas. Mais I know moi, there là, are women who do the same. Les plus faibles dans ce jeu-là, c'est les femmes. Les plus faibles qui ont besoin de sécurité, ce sont les femmes. The weakest people who need security are ladies. Mais quand je vois les jeunes semaines là, when I see the young vous ne pouvez pas aimer le monde. Je vous dis la vérité. Essayez, ça ne va pas marcher. You cannot go back to the world. Even if you try, it will not work. Si tu veux protéger une fille, amène-la à Christ. If you want to protect a young girl, bring her to us. Parce que Jésus, il délivre. Because Jesus delivers. Et il garde. And he keeps. Et s'il te donne un bon berger, tu es béni. And if he gives you a good shepherd, you are blessed. S'il te donne un pasteur comme Ebenezer, voilà, il est derrière là. S'il te donne un Ebenezer, tu es. If he gives you Ebenezer, tu es béni. You are blessed. Est-ce que nous sommes ensemble? How we together? J'ai dit ces 5 sujets là pour les académiciens. I wrote this subject for people of the academy. Parce qu'il y a des petites choses rassemblées qui finissent par faire la force. Because there are small things gathered would become a strength. De telle sorte que si tu les négliges, tu commences à se demander mais où est donc le secret? So that if you neglect them, you start asking yourself, so where is the secret? La vie intérieure est une construction volontaire. The inner life is a voluntary construction. Un frère qui maltraite sa femme est un fou. A brother who ill treats his wife is a mad. Ta chair. Your flesh. Tenons-nous debout. Let's stand up. Dis Seigneur. Say Lord. Puisque tout dépend de ce que je suis. Since everything depends on what I am. Viens mon secours. Come to my rescue. Change-moi. Change me. Donne-moi un cœur nouveau comme tu as donné à Saül. Give me a new heart as you did for Saul. Prions ensemble. Let's pray together. Donne-moi ton caractère. Give me your character. Toi, le bon berger. You, the good shepherd. Prions en langue. La repentance.
Dis merci, crois que Dieu t'a écouté. Say thank you and believe that God has granted your prayers. Va libérer la vie de Christ. Go and live a life of Christ. Va nourrir les brebis. Go and feed the sheep. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.